monde des enfants reste celui qui attire toutes les attentions. Car éduquer un enfant, c'est préparer une personnalité utile à la nation. Bienvenue à tous dans cette émission. Aujourd'hui sur ce plateau, nous n'allons pas recevoir l'enfant d'une star. Nous sommes plutôt venus rendre visite à une sœur. Elle étudie à l'internat. Avec elle, nous allons parler de la vie à l'internat. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs ? Je m'appelle Merline Pambombadou. Je suis la fille à Mama Paola Lukumu Pongo et d'Achid Mbadou. Comme tu viens de te dire, je suis à l'internat du Congo central, Banzaboma. Je suis en quatrième année littéraire. Présentement, je suis en vacances ici à la maison, à Kinshasa, chez mes parents. Avant de parler de l'internat, dis-nous un peu, que représente un enfant pour toi ? Un enfant, d'ailleurs, moi-même je suis un enfant. Un enfant est l'avenir de demain. Un enfant est celui sur qui on doit mettre toute l'attention. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton introduction. Alors, dis-nous Merline, est-il facile d'être un enfant ? Tu sais, Océane, je peux dire oui ou non. Je dis oui, pourquoi ? Parce que quand tu es enfant, tu es sous responsabilité de tes parents. Tu es prise en charge en tout et pour tout. Pourquoi je dis non ? Parce que je constate que dans certaines familles, le droit des enfants ne sont pas pris en compte par le parent. Maintenant, nous allons parler de ta vie à l'internat. Dis-nous un peu, tu es à l'internat depuis combien de temps ? En tout cas, depuis que je suis à l'internat, c'est ma première année. Ah bon ? Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller à l'internat ? En fait, j'aime bien mes études. Je voulais vraiment me concentrer. Voilà pourquoi maman avait proposé d'aller à l'internat. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à l'internat ? Merci pour la question. En fait, à l'internat, c'est pas comme à la maison. À la maison, tu peux revenir de l'école, tu reviens, tu regardes la télé, tu peux chatter, tu peux sortir. Tandis que à l'internat, tu dois respecter l'horaire établi. Tu nous parles de l'horreur. Explique-nous, c'est comment votre horreur ? Tu sais, Océane, à l'internat, tout s'est fait sur horaire. On se réveille à 5h. De 5h à 5h30, on a 30 minutes pour se laver. Sauf le vendredi, on se réveille un peu tôt parce qu'on doit aller à la chapelle. Tu sais, Océane, à l'internat, on nous apprend déjà à être une femme. Je suis déjà habituée à se réveiller à 5h. Et aussi à ranger la maison très tôt. Et dis-nous, comment ça se passe quand vous revenez de cours ? C'est simple, permets-moi de revenir un peu. Quand on finit de se laver, on prend quelques minutes pour faire quelques petits travaux. Après ça, nous prenons notre petit déjeuner avant d'aller au cours. Maintenant, pour revenir à ta question, après le cours, l'horaire prévoit un petit repos avant d'aller manger. Dès qu'on finit de manger, on prend quelques minutes de repos et puis on part étudier. Juste de revoir le matière qu'on a prise à l'école et aussi s'il y a des devoirs à faire. Donc à l'internat, vous n'avez même pas le temps pour vous distraire. Même pas d'utiliser le téléphone. D'ailleurs, là-bas, on n'amène pas de téléphone. Je t'ai dit, à l'internat, tout s'est fait par horaire. On a un temps pour se distraire, mais la musique, c'est seulement pour le samedi. Alors dis-nous Merline, quelle est la particularité de votre internat ? Tu sais, dans notre internat, la particularité, c'est d'abord la quatrième. On nous forme à être utile à la société. Alors, si on te demandait de venir étudier un jour ici, est-ce que tu accepterais ? En fait, Océane, je préfère rester étudier à l'internat. Pourquoi ? Parce que là-bas, il n'y a pas trop de distractions. Et puis, je me sens vraiment concentrée aux études. As-tu un mot à dire aux enfants qui ne pensent pas étudier un jour à l'internat ? En tout cas, étudier à l'internat, c'est pas mauvais. Si vous avez la possibilité d'étudier, en tout cas, allez-y, c'est pour votre information. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. As-tu un mot à dire pour notre émission ou quelques personnes à saluer ? Merci Océane d'avoir pensé en moi. Je profite
de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, je salue mes parents, maman Paola Pongo, papa Achille Madou. Je salue aussi maman Dinana, maman Nicole. Et puis, je salue tante Aden. Je salue mes sœurs, Graciana Mbenza, Herméline Panzou. Je salue mes professeurs, notre titulaire, professeur Hippy, notre professeur de latin, Nyoka, Serge. Et puis, je salue mes copines, Sarepta, Liaki, Edith Ngoi. Et pour terminer, je salue Papa Gianni Katanga. Je fais un grand coucou à ma grand-mère Aboma, maman Chantal, et puis mes amis, ma famille, Grassana Mbenza. Sans oublier Ahmed Jamel et puis à ma tata Jolie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous à votre chaîne Dinana, la douce officielle.